on est ici pour prendre la parole pour la défense de la Palestine. Ici, en haut, c'est le consulat d'Israël. Ici, on veut défendre le peuple palestinien. Le peuple palestinien qui vient d'être massacré cette nuit. 71 Palestiniens tués par l'État d'Israël. Le consulat d'Israël, c'est ici en haut. Et on est ici pour prendre la parole contre l'État d'Israël qui fait tuer les Palestiniens. Des Palestiniens qui viennent pour manifester comme nous. Nous, on est en train de manifester ici comme un speak-out, un vigile, pour défendre le peuple palestinien. Le peuple palestinien qui sont en train d'être tués par l'État d'Israël. Ici, en haut, c'est le consulat d'Israël. Il fait rien, il répond à rien, il veut recevoir rien. Il veut tuer les Palestiniens parce qu'il veut faire peur. Il veut que les Palestiniens vont partir de leur propre pays. Maintenant, les Palestiniens réfugiés dans le camp d'Armut en Syrie s'enfuient encore une fois. Où il va aller? Il doit aller de retour en Palestine, mais l'État d'Israël ne le laisse pas entrer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se sauter sur la mer Méditerranée pour aller où? Les pays européens ne veulent pas laisser entrer les réfugiés palestiniens dans le camp d'Armut en Syrie. Les réfugiés palestiniens, où ils doivent y aller? On veut défendre la Palestine ici. On est ici pour prendre la parole, pour la défendre la Palestine. Et les Palestiniens ici sont prêts pour vivre. Ils ne veulent pas tuer comme l'État d'Israël fait. Les Palestiniens veulent seulement vivre en paix, même avec des Israéliens. Mais l'État d'Israël n'est pas d'accord pour vivre en paix. L'État d'Israël ne veut pas reconnaître l'autorité palestinienne comme un État. Mais il veut être reconnu comme un État, avec tous les pouvoirs d'un État, mais aucun pouvoir pour les Palestiniens. Les Palestiniens sont traités comme les Autochtones étaient traités par les colons européens quand ils sont venus ici en Amérique du Nord. Mais ça, c'était il y a 200, 300 ans. Ça, on ne répète pas ces anciennes conneries comme ça. Non. Ici, on est ici pour défendre les Palestiniens. C'est pour la défense de la Palestine qu'on est ici. Ça, c'est un speak-out pour défendre la Palestine. On est ici. On reste ici.